Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Apprendre le chinois avec Emma. Je suis Emma. 大家好, 欢迎来到我的频道和 Emma一起学中文. 我是 Emma. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour s'entraîner notre compréhension orale en chinois avec un nouveau texte. Et comme toujours, on écoute trois fois. La première fois, on écoute sans regarder le sous-titre. Et la deuxième fois, on écoute en regardant le sous-titre et on souligne les mots qu'on ne comprend pas. Après, on le cherche dans le dictionnaire. Et la troisième fois, on écoute, on essaye de comprendre l'ensemble du texte. On s'entraîne régulièrement, on va avoir le résultat. Et c'est parti pour aujourd'hui. Kaishiba. Doushi ta de tsuo. Da Long he Xiao Bo. 是我的两个儿子，今年他们8岁了，但是经常打架。上个星期六，我对他们说，我现在要做午饭了，你们去花园玩吧。然后他们就一起去花园了。半个小时以后，大龙跑进家说：“妈妈，小波打碎了邻居家的窗户。” 他不是好孩子。我问，他是怎么打碎窗户的？大龙回答：“我朝他扔了一个石头，他蹲下了。” Voilà, ça c'est la première fois. On va essayer d'écouter la deuxième fois. N'oublie pas de souligner les mots qu'on ne comprend pas. Le texte, oh, il est aussi dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller le récupérer. C'est parti. 大龙和小波是我的两个儿子，今年他们8岁了，但是经常打架。上个星期六，我对他们说，我现在要做午饭了，你们去花园玩吧。 然后他们就一起去花园了。半个小时以后，大龙跑进家说：“妈妈，小波打碎了邻居家的窗户，他不是好孩子。”我问：“他是怎么打碎窗户的？”大龙回答：“我朝他扔了一个石头，他蹲下了。” Voilà, ça c'est la deuxième fois. Si vous avez déjà compris l'ensemble du texte, félicitations. Sinon, c'est pas grave, on va réécouter. On va écouter une troisième fois. 大龙和小波是我的两个儿子，今年他们8岁了，但是经常打架。上个星期六。 我对他们说：“我现在要做午饭了，你们去花园玩吧。”然后他们就一起去花园了。半个小时以后，大龙跑进家说：“妈妈，小波打碎了邻居家的窗户，他不是好孩子。”我问他是怎么打碎窗户的。 大龙回答：“我朝他扔了一个石头，他蹲下了。” Voilà, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre votre compréhension de ce texte dans le commentaire si vous souhaitez que je corrige votre compréhension. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à vous aimer, partager avec vos amis qui apprennent aussi le chinois et vous abonner sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois, à très bientôt, au revoir, 下次见，再见，拜拜。